J'en peux plus de cette journée, je vous... Non, vous avez des lentilles. Ah oui, mais t'es pas dans la mode. T'es dans la mode, t'aurais vu que c'était beau. C'était une blague, c'était une blague. C'est moche. On est encore revenu acheter les lunettes parce que ma mère elle avait oublié la carte de la mutuelle. Qui fait ça? Elle veut que je fasse des photos. Mais bon. Bon, ma mère elle a rendez-vous avec le directeur. Elle aime que lui. Tu sais, ils ont pris des lunettes moins chères en deuxième paire. Je trouve rien. Faut qu'il soit beau. Bon, pas comme ça. 30 euros. C'est moche. Essaye ça. C'est trop petit. J'aime pas les petites lunettes. Mais essaye au moins. Parce qu'elle prend une paire chère, je lui dis de prendre une paire moins chère, mais elle trouve pas de paire moins chère. C'est bien. Regarde. C'est trop basique, ça fait trop... Mais c'est ta deuxième paire. Tu te rends compte que tu t'achètes une lunette au cas où l'autre se casse. Mais les lunettes, ce sont des accessoires, il faut changer en la couleur de vêtements. Ouais, c'est pas mal. J'avais pris ça sur... Enfin, pas une marque. Mais c'est trop grand, c'est trop moche. Alors, coucou guys. Là, je suis dans ma nouvelle voiture du taf. Elle est trop bien comparée à l'autre. Est-ce que vous aimez mes cheveux comme ça? Moi, j'aime bien. Giving. C'est une Toyota Yaris. Je sais pas si je vous ai dit. Donc là, je vais au centre commercial récupérer un colis que ma mère a récupéré pour moi. Par la suite, je vais refermer les lèvres. Parce que j'aime pas comme ça. Et après, ce soir, on est au cinéma avec maman. Voilà, c'est ça le programme du jour. Je vais pas rester longtemps à vous parler comme ça pendant que je conduis. En fait, les réglages, je sais pas. Ils sont bien, mais j'ai pas. J'ai l'impression que je vois rien dans cette voiture. Je pense que c'est le temps de m'habituer, mais c'est bizarre parce que je conduis tout le temps des voitures différentes et j'ai jamais eu cette sensation. Alors en fait, j'ai fait une connerie, les gars. En fait, j'allais faire le chemin comme si j'allais rentrer chez moi alors que je rentre pas chez moi. You guys, je vous explique là, comme je l'ai dit, on va. Ma mère elle check ses lentilles, elle va mettre des lentilles. Moi je récupère mon colis, je récupère ma fourrure parce qu'il fait un peu froid. Mais j'ai envie de checker un normal s'il n'y a pas le spray L'Oréal anti-transfert. Parce que je sais pas pourquoi, depuis que je suis en mode skincare anti-tache, mon visage il est super gras. Enfin, je sais pas pourquoi, c'est super asséchant. Mais mon visage il est super gras et donc. Mon maquillage reste flou, ben, il transfère de ouf. C'est awkward, vraiment. Bref, je vais à normal, comme je vous ai dit. Je vais regarder s'il y a le spray que je vous parlais. Je pense que vous l'avez vu. Je pense que vous l'avez vu, c'est le truc. Je sais qu'il y a des meufs, elles ont vu ça sur TikTok. Je vais vous mentir, je suis pas trop une meuf de TikTok. Je poste du contenu, hein. Mais je traîne pas beaucoup dessus. Moi j'ai vu ça sur les réseaux type Insta, type YouTube. Donc là je cherche ça, c'est le meilleur de ma lèvre. Just everywhere. Je pense que je vais le trouver en rayon make-up. J'ai mon colis, j'ai mon manteau et ça c'est mon sac. Bon, je vais vite vers ma poulette. Alors on sort du cinéma. Ça faisait pas peur. Moins de 16 ans, ça faisait pas peur.
et il n'y a pas de fin. On ne comprend pas. Alors maman, t'as trouvé comment le film? Ah ça, je peux te dire de la salle. Le fauteuil était là aussi. Et le nul. Le film. Tu vois le nul? Le nul était film. Oh mon dieu. Ça, on dit c'est toi qui as écrit le film. Oui, c'est là les femmes. Ah. Tu sais, qui t'a dit je suis une femme? Comme j'ai dit, on m'a dit pourquoi. Attends. Hors service. Ah, rez-de-chaussée. Ok. Ça focus ou pas? Ouais. En fait, j'ai pris le Uber, le pire Uber de toute ma vie. Le pire Uber qui puisse exister. Je vais raconter à ma mère. Et je vous filme en même temps comme ça, vous savez. Donc déjà, j'arrive. Je suis à la maison, je descends et tout. J'ai ma valise. J'ai mon sac où il y a mes deux ordi. Et j'ai mon sac à main. Un gars, il a dit un truc bizarre derrière. Et j'ai mon sac à main. Donc j'arrive, je lui dis monsieur, il y a bonjour et tout, j'ai une valise. Il me dit est-ce que vous voulez de l'aide? Genre au début, il me regarde. Il me dit est-ce que vous voulez de l'aide? J'ai trouvé ça bizarre. Mais vas-y. Donc je dis oui. Il sort de sa voiture, il ouvre son coffre. Il ouvre son coffre. Et là, il jette un papier dans une poubelle qui lui appartient pas. Et il dit mais c'est bon, c'est ouvert. Il dit ok, vas-y, Bélec. C'est pas grave. Pourquoi pas, comme on dit. Attendez, je suis à contre-jour. Donc déjà, il y a ça. Mais vas-y, je calcule pas. Donc je roule et tout, moi je parle pas et tout. Le monsieur, il est bizarre, je parle pas. Donc on arrive vers Orly, il me dit c'est quel terminal? Je lui dis terminal 3. Je vois même qu'il a un badge pour, taxi à Orly. Donc il connaît, tu vois. Enfin, tu prends quelqu'un pour aller à l'aéroport. Donc tu sais que la personne, elle part. Le gars, il m'a déposé à l'arrivée en bas, terminal 4. Maman, tu te rappelles qu'on devait partir à Djerba et qu'on nous avait envoyé en 4, après on est allé au 3, tout ça? Et qu'on avait couru, qu'on avait marché 15 minutes? Ben, c'est ça qui m'a fait. J'ai marché 15 minutes pour arriver au bon terminal, pour monter, pour déposer mon bagage. En fait, il a cru que j'allais rater mon vol, mais nul et sans effet. Vraiment nul et sans effet. Vraiment, pour une fois, j'étais vraiment à l'heure. Je suis arrivée à l'aéroport à 11h. La fin des bagages, c'est 11h20. Vraiment, j'étais à l'heure. Vraiment nul et sans effet. Mais vraiment, ça fait tellement pitié. Le poteau, il sait. Il peut pas dire il sait pas. Il sait. Les gars, là on est en mode gang gang gang. J'ai mis du bordel partout. Déjà je suis très déçue parce que je pensais que ça allait être une salle de bain sur les photos. C'était une baignoire plutôt. Bref, il n'y a pas. Ouais. Attendez, la macro se fait. J'ai mis du bordel partout. J'étais couchée là, je viens de ramener à manger. Je viens d'ouvrir ma valise. Attendez, mais là la macro elle est trop lente. Donc vous avez eu droit ce matin à l'histoire avec le Uber. Après j'ai rencontré un... Ah j'ai bien mis sur ma gueule là. Après j'ai rencontré un humoriste façon... En fait j'ai dit façon, c'est juste parce que je le trouve pas drôle. Comme j'ai dit sur Instagram, il fait un peu des humours de bof. C'est très tourné en mode accent africain et tout, ça me fait pas rire moi. Un petit verre. Donc j'arrive à l'aéroport, donc moi j'ai un bagage soute, mais c'est une valise cabine que je mets en soute parce que j'ai pas envie de séparer mon maquillage et tout. Et donc moi je dépasse un groupe de 3 gars qui ont des grosses valises soutes et qui marchent lentement, qui rigolent, voilà, je les dépasse. Et arrivé à la location de voiture, moi je me mets à une file. Et eux, en gros, comme ils étaient déjà sur le chemin, ils se sont dit, ils vont passer avant moi. Sauf que, ben non. Et donc, ma file se libère plus vite. J'y vais, ils font, oh. Je dis, vous voulez passer? Ils m'ont dit, non, vas-y, passe. Je fais, ok. Donc, moi, je passe. Et au début, je calcule pas. Après, je me dis, oh, il est grand, hein. Il y en a un qui est grand. Voilà, au début, c'était ça. Après, je me dis, oh, il est noir, hein. Mais pas méchamment, genre, il est noir, tu vois. Je me dis, oh, ok, non. Après, je me dis, mais. Je l'ai pas déjà vu à la télé? Je me dis ça comme ça. Bon, ça passe.
Après, je me dis, mais. Genre, lui, il est pas drôle un peu. Un truc comme ça, je me dis. Et vas-y, ça passe. Je vois pas c'est qui en fait. Et donc, après, les gens disent, oh, mais il y a un tel. Je peux faire une photo. En fait, c'était Ahmed Silla. Silla, ouais. Mais dis-toi, je vois vraiment pas c'est qui. Je me dis, mais lui, il a un prénom arabe, non? Après, je me dis, mais lui, il a un nom africain, non? Lui, j'ai pas vu, moi, jamais de bouse. Mais en fait, moi, les noms des gens, j'arrive jamais. Dites-vous, à mon travail, ils disent, ouais, tel film a été fait par tel producteur. Il y a tel acteur. Oh, quelque chose, Freeman. Sinon, moi, je connais aucun nom. Aucun nom. Et donc, les gens font des photos avec lui. Moi, je suis avec le gars de la clientèle, là, à Avis. Et le poteau, il me dit permis, normalement, pièce d'identité et tout. Et après, l'artiste, là, Ahmed Silla, il me fait. Donc, moi, je regarde. Il fait. En fait, il pensait que moi aussi, donne ton téléphone, je vais faire des photos. Tu vas faire une photo avec moi. Mais en fait, moi, je te trouve pas drôle. Alors, les gens, ils aiment bien. Mais comme j'ai dit sur Instagram, pour moi, c'est un numéro de raciste. Ben, ça repose trop sur quand j'étais pauvre, quand j'étais petit, ma mère était pauvre, on s'est parlé un menu McDo en 12. Vraiment pas mon humour, en tout cas moi. Donc s'il y a des gens qui aiment, c'est bien, pas moi. Donc voilà. Donc là je suis au Radisson, il n'y avait pas des trucs que je kiffais au restaurant. Je voulais manger pizza. Je suis allée dans un truc de pizza, arrivée. C'est des tacos. Je ne supporte pas les tacos, donc j'ai pris du poulet. Ça me saoule. Je mange des pizzas. Bref. Et en rentrant, j'ai vu une dame vieille avec un gars bien bien jeune en mode gigolo. Parce que quand ils m'ont vu et tout, j'étais là. Oh. Genre. Trop chelou. Aujourd'hui, c'est vraiment qu'un sketch. Et à l'aéroport, il y a un monsieur, il m'a filmé. J'en peux plus de cette journée, je vous jure. J'ai gardé le bas de hier. J'ai mis ce petit pull que j'ai acheté à Primark et je kiffe de ouf. Bon, je vais au petit déjeuner. Il ferme dans 40 minutes. Voilà. Voilà. J'ai appelé un client pour avancer notre rendez-vous. Il m'a dit ok. Et j'ai juste. Ouh! J'ai ok. Et quand j'ai le ok, j'ai du mal à respirer. Donc j'ai appelé un client pour avancer le rendez-vous et. Je suis pas partie. J'ai un mood bizarre. Je sais pas comment dire. En fait, je vais regarder parce que là, ce soir, j'ai rendez-vous avec. Donc je disais. Là, ce soir, j'ai rendez-vous avec une fille. Vous savez, en fait, j'ai rendez-vous avec une fille. Comment je l'ai connue? Je l'ai connue sur un groupe qui était à la mode à un moment. Mon collègue est parti. Je l'ai reconnue sur un groupe qui était à la mode à un moment. C'était un groupe de rencontres de filles. Amicales. Et bref, j'ai kiffé sa vibe, mais elle habitait à Toulouse. Et donc, je l'avais jamais vue, tu vois. Et donc là, je suis crap dans sa vie. Donc, je me suis dit, why not et tout. Bon, je lui avais déjà dit qu'un jour on allait se voir et bon, ça avait pas coïncidé niveau agenda. Et là, j'y suis, j'y ai lié, donc voilà. Ça y est, nous y est. Donc, pourquoi pas se voir et manger ensemble et tout. Mais aujourd'hui, en fait, je suis grave bizarre. Je vais pas vous mentir. Je sais pas. Même physiquement et tout. J'essaie de faire plus attention à ce que je mange, mais avec le travail et tout, quand je suis en déplacement, c'est vrai que je fais pas attention. Donc je me dis, quand je suis sur Paris, il faut que je fasse plus attention, blablabla. S'il vous plaît, likez, vraiment, likez le vlog, likez, commentez, dites-moi la partie que vous préférez. C'est vraiment pour me soutenir. Dites-vous, vous regardez ça, ça vous plaît, nan, vous payez pas. Voilà, vous payez pas, c'est vraiment pour me soutenir, qu'on augmente. En visibilité, qu'on augmente la communauté, voilà. Moi, demain, je perce les copains. Je suis pas la go qui garde énormément de choses. Je suis pas la meuf qui, je vais recevoir des vêtements gratuits, je vais les revendre à 50 euros, 10 euros. Hey,
Regardez mon Vinted, je vends des vêtements à 3 euros. Voilà, donc c'est pas des vêtements que j'aurais eu gratuitement quand je vais pas vendre à 2 euros. Vous voyez Lenita quand elle vendait ses perruques, je sais même plus comment elle vendait ses perruques. Vous voyez, non, il y a une TikTokeuse qui vendait des perruques à 3 euros. Moi je serais comme elle. J'ai pas spécialement besoin. C'est vraiment pour augmenter sa communauté, augmenter son audience, augmenter les partenariats qu'on fait avec des marques et tout. Mais en soi, est-ce que j'ai besoin spécialement de garder 40 000 perruques chez moi, 40 000 vêtements chez moi? Non, non, non. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas plus personne qui partage les richesses que moi. Donc, faites-moi croquer s'il vous plaît. Ouais, parce que le mode auto, j'ai l'impression qu'il prend trop de temps pour s'automatiser. Donc voilà, la petite robe, la petite fourrure, je l'ai achetée en friperie. Je pense que je la mettrai dans un vlog quand je cherchais des fourrures en friperie. Et j'ai mis des petits talons de chez Primark et mon sac c'est un Givenchy. Donc voilà, je vais partir. Je vais manger au resto. Oh non! Est-ce qu'on peut prendre tout ça de temps? Alors coucou guys, aujourd'hui on vient démonter mon tissage. J'avais acheté des mèches rower qui sont sur ma tête. Bon là vous les voyez pas fuite parce qu'elles sont pas lavées depuis 2 semaines. Et j'avais fait des crampes en fait, j'avais fait un effet sirène. Et donc c'est ce que vous voyez, c'est pas démêlé, voilà, bref. Et en fait donc j'ai gardé le tissage vraiment très très longtemps. On voit qu'il a bien recoulé de 2 doigts. Je l'ai gardé 2 mois 10 jours. Voilà, là j'en peux plus. Je n'en peux plus. Mes cheveux ont bien bien poussé et c'est sale parce que après j'ai commencé à mettre de la cire. C'est sale parce qu'après j'ai commencé à mettre de la cire. Donc anyway, on va retirer ça. Je me donne chouchou. J'essaye de prendre la première rangée. Je me suis acheté des découvites. Donc c'est un truc de couture. Je retire pour vous que vous voyez. Bon, j'ai pris le premier qui est tombé. Donc en fait, dès que vous faites ça, vous avez comme une aiguille. Voilà. Attendez, je suis pas sûre que je puisse faire ça toute seule en fait. Je crois qu'on va commencer devant. Et je vais demander à ma mère de faire derrière parce que j'arrive pas. J'ai pris mon miroir. Alors devant j'ai une closure. Les gars, je vais aller faire retirer. Non les filles. Les filles, c'est pas possible de retirer ça tout seul. Et il y a ma vie. Ça fait 7 minutes que je filme. Je vais aller demander à ma mère, c'est bon, hein, j'arrive pas. Alors j'ai démonté mon tissage les gars, mes cheveux sont sales. Je suis choquée. En fait je pense que c'est très très sale. Parce que mes cheveux étaient secs en fait. Sous le tissage j'étais sec, je pouvais pas hydrater de ouf parce que c'était des mèches lisses. Et donc choquée. C'était des mèches lisses, je pouvais pas hydrater de ouf. Donc j'ai pas hydraté, donc mes cheveux se sont un peu cassés. Parce qu'avant ils arrivaient à là. Bon après ça c'est la partie que je lissais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc bon. Si le reste est grand et que ça c'est cassé, je m'en fous. Je sais pas, mon dieu, je m'en fous. Et la prochaine fois je ferai un tissage peut-être plus bouclé et tout, comme ça je vais pas lisser mes cheveux. Je vais prendre un peigne à queue. Et on va commencer à démonter. En fait, il est le ticket est loin. J'ai deux doigts. Ça a poussé de 2 doigts. Bon, je m'attendais un peu plus, mais j'ai pas bien pris mes compléments alimentaires. Je vais pas vous mentir. Je les ai pas bien bien pris. Mon crâne il me gratte. Mes cheveux. Et je dois tous les mêler. Et après je vais passer au... C'est Dior qui court partout. Hein. Après je vais passer au...
aux soins. Parce qu'ils en ont besoin là. Ils en ont besoin. J'ai de la crème fraîche. Mais je vois, ils ont l'air grands, non? Bref, j'ai de la crème fraîche, de l'huile d'olive, un mélange d'huile de ma cousine et du miel. Et je vais bien mettre dans mes racines, parce qu'en fait mes racines sont très sèches. Bon, je mets un peu avec vous, mais après je vais mettre devant mon miroir. Et je mets bien dans mes racines pour bien nourrir, et après je mettrai un peu dans mes longueurs. Mais j'insiste bien dans mes racines, je fais bien, bien, bien. De lumière de jour, 6 mois dans l'année, on n'a pas beaucoup. Et la scène n'en est pas la ville de l'amour. Hey guys, je vous laisse, je vais à la salle. On va faire tout musique. Voilà, musique, je parle pas trop. Donc ouais, je vais à la salle, on est dimanche, il est presque 18h. Il faut que je retourne chez moi vers 19h. Parce que ce soir on mange au Bonnie avec un pote. Et j'aurais bien aimé vous filmer, peut-être faire mon teint en TikTok, en live TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre partout. Vous voyez, c'est là, c'est ça les taches que j'avais et qui étaient bien noires et tout. Vous voyez, ça s'estompe. Donc voilà, voilou, bye. Real bad man en mode tout choc. C'est jaloux là, c'est mon affaire. N'y a qui colo, nous pas qu'à côté toc. Selecta qui me a one drop. Avec le flash, my flash. Hello. Salut, hola. C'est la première fois que je mets cette robe. Elle vient de chez Zara. Tu te mates? Sí, pero el salmón es hecho con mi cabeza. ¿Esta parte? Está un poquito aparte. Lo puedo meter a... Donc aujourd'hui on est à Primark avec ma mère. Elle prend un t-shirt et moi je suis venue prendre 2-3 sous-vêtements. Et après on va à Ikea. Je vais te rendre fou ce soir. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord? Non. Ouais, c'est pas grave. Oui, je vous demande s'ils sont pas d'accord avec moi. Attendez. Oui. Quand on est sur un fauteuil comme ça avec le pouf, est-ce qu'il ne doit pas être lié au canapé? Dans le sens où est-ce que ça ne doit pas être le même motif? Vous voyez, là c'est Christradome. Est-ce que
ton canapé, il doit pas être Stradam aussi. Parce que ma mère, elle comprend pas que si tu prends ça et que tu prends un canapé comme ça, je vous montre pas trop, il y a une dame, ça fera tout de suite bordel. C'est pour ça que je lui dis, prends directement un truc en osier. Comme ça, l'osier, c'est totalement différent, ça fait scandinave et c'est parfait. Ou tu prends un truc à bascule. Mais si tu prends un truc rose, alors que ton canapé il est gris et qu'il n'est pas de le même tissu, je suis désolée ma copine, c'est pas beau. En fait, lui, à part si tu fais de la pyrogravure, il est moche. Ouais, il est trop terne. On prend 4 ou 6 ? 4. On s'en bat les couilles des gens. Donc là, on va récupérer les meubles. Donc, quand vous regardez un meuble à Ikea, vous avez. Je dis ça juste pour les non-parisiens, les non-français. Attendez, ça focus. Donc voilà, vous avez où se trouve le meuble. Et donc là, on place à 19 place 0. Donc c'est là. Donc on va prendre une Billy. Bon, moi, ça loue un chouette. Attends, je mets ça comme ça là. Hey, papa. Merci. Bon, on s'est arrêté à Ikea. Faut qu'on garde les tickets de caisse. Ouais. On fait les Toto. Voilà. On a fait la voiture. On a tout rempli. Vive les boîtes auto, comme dit ma mère, parce que on va juste clac appuyer pour mettre en départ. Et elle va m'aider à descendre le frein à main. Et ce sera bon. Et on n'a pas eu besoin d'hommes pour nous aider. On n'a pas eu besoin d'hommes pour nous aider, mais calmos. Demain, j'ai un mari, je porte rien. Voilà. Il est là pour ça. Chacun son taf. Faut pas voler le travail des gens. Voilà. Tu l'as mis sur le site, c'est bon. Okay. Oui. Je vous ai même pas repris. En fait, j'ai un peu brossé ma voiture, si on peut dire ça comme ça, avec une chamoisine. Mais en fait, ça rend bien, hein, parce que c'est pas eu le temps de la laver. Attendez, je vais faire l'autre côté, parce qu'en fait, ça rend vraiment bien. Hein. Là, je viens de finir mes ongles. Do you see me? Can I see you? Donc je vous ai fixé, je suis très très pressée, je vais pas vous mentir. Donc là, en fait on est invité à un mariage. Bon, moi, je l'emmène. Moi je m'étais maquillée. Hein. Donc là j'arrive chez lui à 14h08, donc dans 30 minutes j'ai faim, en plus j'ai même pas mangé, bref. Donc j'espère partir en 10 minutes. Donc j'aimerais partir de chez lui dans 10 minutes. Et 10-15 minutes après être arrivée. Je dois juste repasser ma robe. J'ai pris mon steamer. Je repasse la robe. Je repasse la robe, je refais le baking. Ouais, je m'éponge, je refais le baking, je refais mes lèvres. Je vais les faire en rouge. Je mets un espèce de voile. Enfin, c'est pas un voile, c'est un bibi. Pour le mariage, je mets une robe très simple. Je mets mes chaussures Dior. Mais enfin, les tourner. Fuck. Putain, c'est pas le moment de Grecia de faire tout ça là. Putain. Bref. Donc, je mets mes chaussures. Et après, on a une heure de route. Et j'arrive directement. Au truc, je sais pas si j'ai le temps de manger en fait. Je voulais prendre un McDo, mais je sais pas si j'ai le temps. Je crois que je vais lui faire une barquette pour moi, je sais pas encore. Voici mes ongles. C'est très très beau. C'est très méchant. C'est très drac. C'est très 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 beau en fait. On va pas sous-estimer le même du 91 en fait. C'est très 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 méchant. Très très beau. Je crois que je suis même choquée. Je crois que je vais l'identifier sur Instagram en fait. C'était ça mon look.
J'ai un bibi. J'aime trop pour les mariages et j'aime trop pour les enterrements, c'est très beau. Bref, j'ai un bibi. Le rouge à lèvres, il est bien, hein. J'ai oublié d'enlever la veste. Je suis mouillée là. Retire si tu veux. Ah, j'ai mal aux pieds, les gars, mes jambes sont faibles. Depuis t'enregistres. Depuis 30 secondes. Mais non. Bah oui, c'est écrit 30 secondes, qu'est-ce que tu racontes? Bah, faut prévenir les gens. Il y a droit d'auteur sur ta voix. Droit d'auteur, voilà. T'as tout gardé. Non, en fait, j'aime trop les tales. Tout, c'est que des tales avec eux. Les tales, c'est pire que des michetots. Je récupère ça après, hein, t'inquiète. Tu récupères quoi? Mon sac? Quoi? Mais il faut pas de griffes. Ok. Trop sexy, très violent. Bon, on va à la salle. Donc là, c'était le civil. C'était mignon, c'était beau. Désolée, ça reconnaissait plus mes doigts. Mais pourquoi c'est sur mon pantalon que tu veux? Mon téléphone il est bloqué. J'ai fait tomber ton sac, t'as dit ah. Moi aussi mon pantalon est cher, hein. Là tu l'as, hein, hein, tu l'as. Oui, en plus ton pantalon est très beau. Merci. Ah, j'aime beaucoup en plus la cravate. Mais ouais. Mon téléphone ne fonctionne plus. De toute façon tout avec toi coûte cher. J'aime trop le luxe. En Versace. Non, pour le coup, t'aimes plus le luxe que moi, je crois. Non, c'est fou, parce que toi, t'as des basiques luxueux comparé à moi. Mon téléphone, il a pris l'eau. Faut changer le téléphone, hein. Non, paye-moi à nouveau. S'il te plaît. Tu peux me le donner. Tu peux te donner. Mais là, tu le déposes sur moi. Bon, bye les guys. J'aime trop mon élève. Okay. Mon teint. T'aimes pas? Le teint, c'est le maquillage du visage. Oui, c'est bien, c'est bien. T'aimes ou pas? C'est bien, c'est bien. T'aimes ou pas? J'aime bien. Voilà. J'aime bien. Non, parce que j'ai l'impression que tu savais pas quoi répondre. J'aime bien. Les gars, je vous ai absolument pas montré ce kimono qui me vient tout droit du Vietnam. Je l'ai acheté à la Foire de Paris. Il est en soie. En soie. It's giving. Là, je viens de filmer un petit chat. Dr. Love. Vous allez le voir sur ma chaîne YouTube. Vous allez kiffer, bien évidemment. Et voilà.